Ceci n'est pas un casino, mais un forum d'art contemporain. Inaugurée en 1996 et désormais rénovée, cette institution de Luxembourg participe à l'effervescence artistique que connaît actuellement la ville. Située en face du grand pont Adolphe, qui franchit le Pétrus, tout est art dans cet espace d'exposition XXL. Dans le café et restaurant au mur 1800, on y mange en dessous d'un néon créé spécialement par l'artiste Claudia Passeri. C'est une pièce intitulée Zeitgeist, Karl Cobain, qui retranscrit la première phrase du manifeste du parti communiste de Karl Marx avec les paroles d'une chanson de Kurt Cobain. À l'étage, la première artiste à avoir investi le lieu est Lara Almersegui, qui a représenté l'Espagne à la Biennale de Venise en 2013. Pour ce faire, elle n'a pas hésité à explorer le réseau souterrain des sous-sols de la capitale de Luxembourg et à réduire en poussière toutes les cimaises du casino. Le résultat, ce sont 2 tonnes de plâtre, une œuvre qui tacle les canons de l'art conceptuel et minimal. Au rez-de-chaussée, on découvre un tout nouvel espace, la Black Box, une salle de projection pour les films d'artistes. Pour l'ouverture, le duo d'artistes belges et luxembourgeois David Brognon et Stéphanie Rollin présentaient leur dernière vidéo dans Subar Sabra, quelques minutes à la fois romanesques et politiques à propos d'un cactus qui explore la symbolique d'attachement et de détachement territorial que les peuples palestiniens puis israéliens ont respectivement accordé à ce figuier de barbarie. Quand on a pris connaissance de ces cactus, en fait, on a compris qu'ils étaient utilisés à l'époque comme barrières naturelles autour des villages. C'est-à-dire qu'ils servaient avec leurs aiguilles à protéger les terrains autour des maisons. Et en fait, ce qu'on a appris quand on était là-bas, c'est que lorsque les villages ont été détruits, ont été rasés, ces cactus, eux, ils avaient la force, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'eau ni rien, et ils se sont mis à repousser au fur et à mesure des années. L'art contemporain doit être politique, l'art contemporain ne doit pas forcément être quelque chose d'esthétique au sens pur du terme. Pour nous, notre conception de l'art, c'est quelque chose qui est engagé, qui parle aux gens et qui leur fait découvrir une alternative de réalité sur des choses qu'ils croient connaître. Avec ou sans épines, le casino s'impose donc comme un lieu où la prise de risque est la règle du jeu.